Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football. Un petit mot sur les conditions de jeu pour commencer et un pied de nez au Cassandre de la météo qui nous annonçait de la pluie. Certes, le ciel est menaçant, mais pas de gouttes pour l'instant. Bref, rien de tout cela n'a réussi à décourager les supporters qui sont très nombreux et qui vont soutenir très fortement leur équipe. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Ok, c'est parti. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Je pense qu'on est beaucoup à adorer Marco Verratti. C'est fou qu'un garçon de sa taille domine autant le milieu de terrain. C'est clairement l'un des meilleurs du monde aujourd'hui, avec en plus une qualité de relance tout simplement incroyable. Oui, je suis bien d'accord et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à le penser. Ce ballon bien dosé, le bon ballon. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Lorenzo Insigne. C'est joué long, c'est dangereux. Zéro tir dans ce match encore. Mais que se passe-t-il? Et dégagement du gardien. Un long ballon vers l'avant. L'interception au bon moment. Bernardeschi. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Voilà une bonne occasion de contre. Oh, il y a danger. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Waouh, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal sous pression. C'est joué long. Oh, voici Immobile. Le ballon dans la profondeur. Il y a danger. C'est osé. Il décide d'allonger le jeu. Il joue sur sa gauche. Bernardeschi. Marco Verratti. Chiesa. Premier corner dans cette rencontre. Et ce sera pour personne. Bernardeschi. Bernardeschi. C'était bien joué, il faudra juste être plus précis après la pause. L'Italie qui est passée à un rien d'ouvrir le score. Bon, il reste toute la seconde période pour faire la différence. Ils ont terminé très fort et le coup de sifflet est arrivé peut-être un peu trop tôt pour eux. Faut qu'ils reprennent avec la même intensité. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période on aura un ou deux buts. Et on est déjà reparti. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. La passe en retrait vers son défenseur. Encore une passe mal assurée. Il faut être plus précis. Le gardien dégage, loin. L'ouverture lumineuse. Jorginho qui veut se projeter. Attention la frappe! Une parade magnifique! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Voyons ce que va donner ce corner. Des deux points. Jorginho.
La frappe! Oh, quel bel arrêt! Oui, il était bien concentré. Bravo! Et pour lui, attention! Ce sera un coup franc. Bonucci. Chiesa. Le jeu repart vers la droite. Quelle inspiration! Il est sur le côté, il peut tenter un centre. C'est dégagé. La faute. Alors ce sera un coup franc à la limite de la surface. Encore un coup de pied arrêté, il s'enchaîne en ce moment. L'occasion d'ouvrir le score. Lorenzo Insigne, il va tirer ce corner. La tête! C'est au fond des filets! Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon! Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. L'Italie qui a donc ouvert le score. Voilà un avantage qu'il faut défendre maintenant. Il reste encore pas mal de temps. Long ballon dans le sens du jeu. C'était une bonne intervention. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Alors que les premières gouttes commencent à tomber. Ça peut être extrêmement dangereux. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bien, la profondeur. On peut y aller. Là, ils cherchent à tuer le match. C'est normal, ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Romagnoli, belle intervention. Verratti. Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. Le gardien fait du très bon boulot, là. Un but les aurait mis dans une situation très délicate. Dans la profondeur. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. La défense est très solide. Oh, Lorenzo Insigne. Il est passé. Il peut frapper là. Oh, c'est bien parti maintenant à ce moment du match. Ça commence à sentir très très bon. Et il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond des filets. Un peu de coaching, c'est bien. Le premier changement n'a pas franchement... C'est fini. Le match est terminé. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe et franchement elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. Bon, Darren,